What's up gens de l'internet, mon nom est Con et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo les amis pour parler de plusieurs petites choses. Donc je vais faire ça vite, ça devrait être environ 10-15 minutes. C'est vraiment 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 important. Donc ça va être premièrement une nouvelle série, pourquoi je suis encore sur EpiCube, etc etc. Et puis ça va être aussi une petite surprise à la fin. Donc les amis, beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je suis encore sur EpiCube, même si j'ai fait une vidéo que j'étais ban et que j'allais plus jouer. C'est juste que vous m'avez fait comprendre, vous, ma communauté, que ça servait à rien de pas jouer sur EpiCube parce que ma communauté m'avait connu grâce à ça, en gros, que vous étiez abonné grâce à ma vidéo Epic Cheat, Epic Ban, qui a d'ailleurs bientôt 30 000 vues. Et puis, je suis d'accord, je dois pas vous le cacher que c'est la vidéo qui m'a fait connaître sur EpiCube. Et c'est pour ça que dans les games maintenant et tout, c'est là qu'on me reconnaît et tout. Je dois pas le nier. Et c'est important que je le nie pas, parce que c'est quand même une grosse partie de ma chaîne. C'est quand même 50-50, disons que ma communauté faction c'est 50%, l'autre communauté c'est aussi 50%, donc je dois pas nier ça, vous voyez, mais de l'autre côté, faire observer mes vidéos et ensuite me faire ban à cause de celle-ci, c'est sûr que c'est pas trop amusant, vous devez me comprendre d'un côté, mais inquiétez-vous pas, il y aura toujours des vidéos sur EpiCube. Tous les mercredis maintenant, je vais essayer de vous proposer soit le nouveau mini-jeu qui sort toujours le mercredi, ou d'autres choses, on est mort. Et voilà, j'ai pas pris ma pomme, le gars avait une pomme. Putain. Couper le micro un peu, baisser le micro un peu, sinon vous allez vous gueuler aux oreilles. Et puis, je me suis dit, ouais, ben, ils ont raison. Donc, voilà, vous allez avoir des vidéos sur EpiCube. Yo. Vous allez avoir des vidéos sur EpiCube le mercredi. Ensuite, passons directement au programme. Donc, le lundi, mardi, mercredi, je vous ai déjà dit, en gros, le lundi, mardi, vous allez avoir du... Le lundi, mardi, vous allez avoir du faction, je crois. Soit du Royal Fight, soit du Lightfire pour un petit moment. Lightfire, je vais l'arrêter à partir de l'épisode 10, peut-être, parce que ça me saoule. J'ai fait le tour et je joue plus trop avec Sous-Suite. On se parle plus trop et tout, donc... Enfin, c'était avec elle que j'avais fait la série, donc j'ai plus envie de faire la série en partie aussi à cause de ça. Parce que, bon, on joue plus ensemble, donc techniquement, j'ai pas envie de refaire une série sur un serveur sans elle. Fait que voilà, sur ce serveur-là, du moins. Donc je vais me trouver un autre serveur sur IP pour remplacer celui-ci. Mais j'aurai toujours Royal Fight comme launcher, ce sera toujours mon seul launcher que je dois faire parce que je suis plus trop dans les launchers en ce moment les amis, je suis en mode vraiment IP et tout. J'aime pas trop ça changer de version à chaque fois, changer de jeu, relancer un jeu juste pour jouer sur un serveur. Je trouve que ça enlève le but de Minecraft. Enfin, le but de Minecraft c'est que tous les serveurs sont collés ensemble, enfin vous m'avez compris, tous sur la même page et vous avez pas de problème. Donc ça c'est vraiment what the fuck, on peut avoir des épées en ok cobble en pierre, excusez, c'est du fer que j'ai vu. Donc ouais, je me suis dit ouais voilà, j'aime pas trop les launchers en ce moment. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me voient sur Scandicraft, mais comme j'ai dit, ça m'intéresse pas les amis en ce moment. Est-ce que dans le futur ça va m'intéresser, je sais pas, on verra bien, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc voilà, attendez, là on a quand même du bon stuff. Faudrait pas faire de la merde. On va quand même garder le Nick Knockback 2 là. Et ça là. Ok, le gars il est fucking mieux stuff que nous. On va prendre cette pomme là. On va essayer de l'avoir. Donc, good luck, on est mort. Allez, salut. Oh shit, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Je suis resté coincé dans des arbus. Ah non, va-t'en pas au mid, s'il te plaît, man. S'il te plaît, beau gosse. Combo Rumbo. Allez, salut. Il a fini comme un gros lâche. Il l'a fini comme un gros lâche. Fait que nous, on va se tirer. Allez, salut! Donc, ouais. Il y aura ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y aura sûrement... En ce moment, je suis en train de tester un serveur qui s'appelle Icaria. Je sais pas trop. C'est un serveur magie pour remplacer peut-être Lightfire. Je découvre le serveur en ce moment. Donc je sais pas vraiment si je vais faire un tir dessus. Mais je trouve stylé. Et puis, voilà. On verra bien en temps et lieu. Si vous avez d'autres serveurs, proposez-les-moi les amis, je suis toujours apte, toujours d'accord à ce que vous me présentez des nouveaux serveurs, des nouveaux trucs et tout. J'ai vu un gars devant moi, je suis un peu con, je sais, mais on va essayer de le backstab, lui il nous a pas vu, so... ça c'est un avantage. Oh, c'est Combo Rumbo les amis, c'est Combo Rumbo. cheat, dis que je cheat, please. Ah, il me l'a pas dit. Je suis triste, putain. J'étais sûr que je cheatais. Fais chier, putain. Ah, des bâtiments. On peut un, on pourra fusionner ça. De la bouffe. Ouch.
Ok, je fais comment pas sortir d'ici? Je suis comme un peu dans la grosse merde, hein? C'est ce que je me suis dit. Ouch. Putain, fils de pute, ta gueule, ta gueule. Mais ah ouais? What the fuck, ça en a bouffé deux, t'es sérieux? Oh, fils de pute! C'est quoi ces bugs-là, sérieux, man? Corrigez votre esti... Ok, je vais pas dire de la merde. Sinon, je vais me faire rebanner. Donc, oui, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Aussi, on approche des 10 000 abonnés. J'ai sorti des nouveaux t-shirts. Des nouveaux t-shirts remplis de couleurs et tout. Je vous invite à aller voir ça. Ils sont vachement stylés, je dois pas vous le cacher. Je suis plutôt fier. Ils sont vraiment, vraiment cool. Il y en a des bleus, des rouges, des jaunes, des blancs et je crois que aussi des verts, je suis pas certain. Enfin, il y a plein de couleurs, les amis. Là, ils sont dans la description et ils sont beaucoup moins chers qu'ils étaient avant. C'était 40€ avec la livraison et tout à faire livrer. Je l'avais pas vu que la livraison était pas compris dans le prix. Moi, je pensais que la livraison était compris dans mon prix, donc voilà. Et là, je les ai mis seulement à... Je crois que ça revient à 20€ un t-shirt seulement. 10€ de base avec 9,50€ de livraison. Et puis voilà, vous pouvez vous en commander. Ça serait vraiment sympathique. Ça m'aiderait vachement parce que voilà, ben c'est cool. Enfin, c'est pas le fait que ça me donne l'argent, je vais pas vous mentir, ça me donne 1,60€ sur chaque t-shirt que je vends. C'est pas pour l'argent que je fais le t-shirt, c'est vraiment juste pour que vous puissiez avoir des t-shirts ou des trucs de moi. Si jamais ma chaîne YouTube s'arrête ou il se passe quelque chose, ben vous allez toujours avoir un petit souvenir de moi. Et c'est plus vraiment pour ça que j'ai fait ça. Et en espérant que ça vous fasse plaisir. Je vous oblige pas, bien entendu, les amis, à acheter. Si vous avez pas envie, vous avez pas envie. Moi, je vous dis juste qu'ils sont en vente maintenant. Stop full arc, non. Je vais te full arc, fils de pute. Je m'en fous comme je tag l'autre. Et voilà. Non putain. T'es pas sérieux là, faut que je bouffe. Et oh, on a win. On a win putain. GG. On a fait combien de kills? 2 kills, ok. Putain, on est vraiment bon. Vraiment trop bon. Donc on a gagné un truc super sympathique. Cool, super, génial et méga extra cool. Donc voilà, donc ouais, les t-shirts, ça fait vraiment plaisir, ça vous coûte un total de 20€ avoir un t-shirt seulement, donc c'est pas 40€ comme c'était avant, je suis désolé, j'avais pas vu que c'était ça, je tiens à m'excuser pour ça, et ils vont pas être remis en vente, si je remets des t-shirts en vente une prochaine fois, ça va être pas ce même logo là, c'est vraiment la dernière fois pour avoir le logo avec les graffitis, après ça, ça va être d'autres t-shirts, ça, c'est vraiment une édition spéciale, 9000, 10000 abonnés, disons ça ainsi, et puis voilà, en espérant que beaucoup d'entre vous se les procurent pour que vous puissiez les montrer à vos potes et tout, ce serait vraiment stylé. Et puis voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout, je vous ai parlé d'Icons Review, je vous ai parlé de mon ban sur Epic Game comme quoi que j'allais refaire des vidéos. Je vous ai parlé des Vendredis Exion, je voulais m'excuser que j'avais pas sorti l'épisode vendredi parce que j'étais à l'hôpital Saint-Justine, s'il y en a des Québécois qui connaissent, donc j'ai pas pu sortir l'épisode, j'ai pas pu la monter et tout, et puis bon, ça servait à rien de vous la poster pour le samedi, c'est un peu nul, on doit se l'avouer. Quand la série s'appelle Vendredi Exion. Donc, pour récapitulatif, je vous explique. Y a le Icons Review V2 qui va ressortir. Si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une série avant qui s'appelait Icons V2 où je présentais des séries gratuites, des serveurs gratuitement. Mais finalement, j'avais beaucoup trop de demandes, donc j'avais arrêté la série. Donc, cette fois-ci, par exemple, ça y a un petit cachet. Donc, vous avez les serveurs pourront me contacter via mail pour pouvoir prendre contact avec moi. Je présenterai leur serveur si leur serveur me plaît. Et puis, voilà. Donc j'ai pas mal tout expliqué ce que je devais vous dire. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Je sais pas exactement en ce moment. Je pense que c'est tout. Attendez, laissez-moi faire un récapitulatif pour pas que je me perde. Mon ban d'Epicube, je vous ai tout expliqué. Deuxième truc. Ensuite, c'était la Icons Review V2 qui revenait en sur ma chaîne YouTube. Suffit juste de m'envoyer un mail avec vos informations sur votre serveur pour que je puisse présenter votre serveur. Bien entendu, un IP Omega Serve ou un Omega Craft ou Minecraft Mania ne fonctionnera pas. Je veux déjà un ND et des trucs assez professionnels. Faut que votre serveur ait l'air pro. Ensuite, qu'est-ce que je voulais... J'ai parlé quoi d'autre? Royal Fight et Lightfire
des séries qui vont continuer. Royal Fight va continuer jusqu'à l'épisode longtemps, encore des bonnes, encore pas mal d'épisodes. Ensuite, pour Lightfire, il y a seulement jusqu'à l'épisode 8, vu que avant je faisais les vidéos avec Sous-Suite et maintenant moi et Sous-Suite on se parle plus, du moins plus du tout. So, ça va être difficile de faire une série avec une personne que tu parles plus beaucoup, on doit pas se le cacher les amis. Donc voilà, il y aura plus ça, il y aura une nouvelle série qui va la remplacer. Donc j'hésite encore en ce moment, soit entre un serveur qui s'appelle Icaria ou un autre serveur que vous allez me proposer. Je suis en train de visiter pas mal de serveurs en ce moment pour essayer de trouver le serveur qui me plaît le plus. J'aime bien Icaria en ce moment parce que c'est un serveur PvP magie comme comme il était Lightfire. Donc ça, je trouvais ça vraiment stylé. Après, est-ce que je vais faire un let's play dessus? Je sais pas. Je sais pas, on verra en temps et lieu. Ah ben, j'ai le ramasse-miette, hein. GG, il a bien joué, je vais le dire, good job. Et puis moi, je vais leave la game. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai parlé, vendredi Exion, mercredi Epicube. Donc tous les vendredis, en gros, vous allez avoir des vidéos Exion. Tous les mercredis, vous allez avoir des vidéos Epicube. Soit sur les mini-jeux, soit sur des PvP swaps, des Fallen Kingdom, des nouvelles maps, plein de trucs comme ça. On va aussi reprendre les lives, donc ça fait une semaine que j'ai pas fait de live, donc bon, j'en ai parlé un vite fait, j'étais à l'hôpital, etc. Donc j'ai pas pu vraiment stream, et puis voilà. Maintenant les amis, je vous avais dit que je voudrais... Ah oui, j'ai parlé aussi de mes t-shirts, voilà, mes t-shirts si vous avez envie de vous procurer un t-shirt. Maintenant je vais vous révéler un secret sur Epicube, donc ça se peut qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui connaissent, il y en a peut-être qui connaissent pas. C'est un secret sur Epicube, donc c'est ceci. Oui, les amis, ceci. Savez-vous ce que ceci veut dire? Veut dire couille. Et oui, les amis, ceci est une couille. Techniquement, c'est un hamster, comme on peut voir, sauf qu'il y a une signification à ce couille, ou couille, comme vous voulez l'appeler. En gros, les amis, ici au Canada, nous avons une pub télévision pour, dans le fond, au Québec surtout, une pub télévision pour parler du cancer des testicules, du cancer des testicules, ou cancer de la prostate, je crois, et en rapport avec les testicules, en gros, pour voir si vous avez des bosses sur vos testicules et des trucs comme ça. Le cancer des testicules, quelque chose comme ça, ou je sais pas exactement le terme, je suis pas un médecin, mais en gros, il y a une annonce télévision où ce que le monsieur il dit, il prend deux hamsters dans ses mains, dans chaque main, et il dit, vous devez frotter vos couilles, vous devez frotter vos couilles, en gros, tous les, je sais pas, vous regardez dans le miroir et faire ça, en gros, vous frottez pour voir si vous avez pas des bosses sur vos testicules, en gros. Et puis voilà, c'est juste comme parti comme ça. Donc, si vous saviez pas, ceci est la vraie origine des Q-U-Y que vous voyez un peu partout dans la map, des hamsters comme ça. Donc, c'est vraiment sympathique qu'Epicube pense aux Québécois. Laissez un pouce bleu si vous le saviez pas. Et laissez un pouce bleu si vous le saviez. Si vous le saviez, les amis, dites-le-moi dans les commentaires pourquoi vous le saviez. Si vous êtes Québécois, bien entendu, vous le saviez automatiquement. Et puis, voilà, ça serait vraiment cool de... ça serait vraiment cool que je vous apprenne quelque chose. Donc si vous voulez voir la pub télévision, parce que je sais que je l'ai mal expliqué, mais je vais vous la mettre la lien dans la description. Je vais sûrement la trouver sur internet, et puis je vais vous la mettre dans la description. Allez voir ça, c'est vraiment assez drôle. Et marquez dans les commentaires de la vidéo Icon, tu m'as ramené ici, ou quelque chose comme ça. Ce serait vraiment cool aussi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis. C'était Icon, le Pikachu de l'internet. Yo, salut, ça va? J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si la vidéo vous a plu, les amis, dites-le moi en commentaire. Et dites-moi ce que vous en pensez de toutes les nouveautés sur le serveur. Et puis, les nouveautés sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà. Pour parler vite fait de HiFactionZ, les amis, je vous donne une date bientôt. Je vous reprends pour une autre vidéo tout de suite après. Demain, quoi. tout de suite après. Moi, je vais la tourner maintenant, mais demain. Enfin, bon, je vais la poster parce que, bien entendu, j'ai quelque chose de prévu demain. Je vous aime, les amis. C'était Icon de Pikachu de l'Internet. Salut!